Comment va ton pote? Il tient le coup. Merci de l'avoir soigné. Ça te dit quelque chose, un lieutenant-colonel Walker? Oui, il bosse avec les troupes qui se font appeler les Wolves. C'était le conseiller militaire de Skelltec. Un agent des forces spéciales. Tu le connais? Ouais. On s'est déjà rencontrés. Toi, t'as un regard mauvais. Tu prépares un sale coup? Tu sais comment je peux quitter cette île? Ouais. Alors comme ça, tu veux nous laisser pourrir ici, hein? Auckland est à 2000 bornes d'ici. Ça en fait du chemin à parcourir, la queue entre les jambes. Je veux pas fuir, Mads. L'USS Wasp est à une vingtaine de kilomètres de la côte. Si je peux l'atteindre, je pourrais ramener des renforts. Le Wasp, hein? Je sais pas vraiment si j'ai envie de voir débarquer des matelots sur notre île. Il y avait aussi des Marines à bord. Ah bon? Eh ben dans ce cas... Écoute, je vais être franc avec toi. On sait qu'on n'a aucune chance contre des anciens Spec Ops. Alors certains de nos amis autonomes et employés de Skell veulent quitter l'île à bord de deux bateaux. Tu peux les protéger sur le Wasp? Sans problème. D'accord. Je vais te dire où sont les bateaux. Gardez un œil sur le bétail des parias. Vous voyez quelqu'un de malade, aidez-le. Et prenez les mesures d'hygiène qui s'imposent. Il t'aurait su, il t'aurait pas venu, hein? Plus l'est! Qui êtes-vous? J'ai reçu une invite. Et vous, vous êtes qui? Un autre soldat. Vous pouvez toujours faire demi-tour et redescendre la montagne. On est un peu tendu, ok? Évitez d'agiter votre arme. Pas de tir à Erewhon. C'est quoi, Erewhon? La grotte. On l'appelle comme ça. Entrez. Thank you.
plié dès le moment où Sentinelle a débarqué. Je vous veux aucun mal. Matt Schultz m'envoie. Vous ressemblez pas aux autonomes. Je travaille pour Skelltech. Mads est un ami. Quand Sentinel Corp a commencé ses rafles, il nous a aidés. Pourquoi il vous envoie? Mon hélico a rejoint cette île depuis un navire militaire à une vingtaine de kilomètres de la côte. Je peux conduire ces bateaux jusque-là et revenir avec des renforts. Waouh! C'est clairement plus prometteur que de rejoindre Auckland dans ses embarcations. Il est arrivé quoi, votre hélico? C'est ça que je veux savoir. Vous l'avez laissé dans le coin? Maurice Fox. Et voici ma fille, Harmony. Ravi de vous rencontrer. Moi, c'est Nomade. Et au fait, on a rencontré un autre soldat. Il disait s'appeler Hill. Josiah Hill? Il est là? Non, il nous a aidés à contourner des hommes de Sentinelle, mais il était blessé. Enfin, rien de grave. On l'a laissé dans une escheure, près d'un lac. Ça tombe bien, je sais de quoi vous parlez. J'irai le chercher après mon retour. Tout le monde à couvert! J'attaque! Bien reçu. Contact. Danger immédiat. Ah! Contact! Attention! C'est quoi ce bordel? Une minute. Mon Dieu. Tous ces gens. Ça doit être un nouveau programme de sécurité.
Sacré. Bon sang de bonsoir. J'imagine que... Je suppose... Rien ne peut plus entrer, ni sortir de l'île, tant qu'il est activé. C'est sûrement ça qu'a abattu mon hélico. Je dois rentrer à la maison. Moi aussi, ma chérie. Écoutez, vous devez évacuer, vous et tous les gens qui sont ici. Quoi ? Personne va venir vous sauver, y a pas d'ambulance en route. Barrez-vous, à Erewhon. Ok, oui, d'accord. Vous nous accompagnez ? Je vais retrouver mon ami Hill. Cette cabane où vous l'avez laissée, c'était une position de repli, y a peut-être d'autres soldats là-bas. Bonne chance.